Salut tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pendant ma pause midi du boulot, alors vous m'excuserez pour l'image et pour le son. Je viens tout juste de découvrir la traduction française du titre de Star Wars 9, qui serait donc l'ascension de Skywalker. Alors au premier abord, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant, étant donné que pour moi, l'ascension représente un état non fini, un état en cours qui est en train de se faire. Or, pour moi, pour le dernier épisode, j'aurais davantage vu l'avènement ou l'apogée des Skywalker, qui représente là, du coup, plus un état fini, comme si quelque chose se terminait et qui était donc, pour moi, plus représentatif d'un dernier épisode. Alors après, j'ai un peu plus réfléchi et je me dis que, bon, déjà, c'est qu'une traduction française, hein. Mais ce qui est pas mal, du coup, c'est que, comme pour tous les autres titres, ça peut vouloir dire tellement de choses. Pourquoi? Parce que j'ai vu traîner par-ci par-là sur Internet quelque chose qui signifierait que Skywalker pourrait être le nom d'un mouvement. Donc le nom d'un nouvel ordre, par exemple. Et là, l'ascension de Skywalker prendrait tout son sens. D'autant plus que ce qui me gêne aussi, c'est le de Skywalker. Parce qu'en fait, je vois ce qu'ils ont voulu faire avec le de Skywalker. Ils ont voulu, en fait, le retranscrire un peu comme à l'anglaise. Quand ils disent of Skywalker, tu comprends que c'est de la famille Skywalker. Alors que quand tu dis l'ascension de Skywalker, en français, ça peut aussi vouloir signifier une personne. L'ascension de ce Skywalker-là. Donc là, beaucoup de personnes se demandent, oui, mais alors qui? Quel Skywalker? Alors que je pense qu'il faut plutôt le voir comme l'ascension de la famille Skywalker. À moins que, comme j'ai dit avant, ce soit l'ascension du mouvement, du nouvel ordre Skywalker. Donc voilà, après, comme je dis, ce qui est bien, c'est qu'il nous fait poser pas mal de questions. Parce que c'est soit un ordre, c'est soit une ou plusieurs personnes, parce que après ça peut très bien vouloir dire une personne, hein. Peut-être c'est un Skywalker en particulier. Est-ce que ce serait Rey si c'était vraiment une Skywalker, ou est-ce que ce serait Kylo Ren qui au final va sans cesse encore grandir et qui va vraiment prendre une énorme ascension dans cet épisode-là et qui en fait va triompher. Donc c'est le mal qui va triompher. Non, je sais, je vais peut-être un peu loin, mais franchement, j'en sais rien du tout. Mais je trouve que, en fait, juste ascension, ça fait pas dernier épisode, à moins que ce soit le titre. Enfin, que ce soit l'ascension du nouvel ordre, Skywalker. Et dans ce cas-là, ça tendrait justement vers peut-être des futurs films qui vont se baser sur cet ordre-là qui aura été créé dans le passé. Enfin, de nos jours pour ce film-là. Voilà, donc j'ai été un petit peu rebuté de premier abord parce que ça faisait pas achèvement, pas du tout. Mais en y réfléchissant mieux, je me dis que ça peut être autant une bonne fin si c'est pour un nouvel ordre, et en même temps une ouverture sur ce qui pourrait s'être fait ensuite. Voilà. Alors je sais pas ce que vous pouvez penser de ce titre-là. J'attends un petit peu vos retours. Et puis peut-être que je ferai une vidéo un peu plus précise sur ce titre-là, s'il y a quelque chose à dire. Parce que déjà faire une vidéo juste pour le titre traduit en français. Ok, mais je sais pas, si jamais vous avez des bonnes suggestions, des bons trucs voilà, à dire, je pourrais les retranscrire dans une vidéo à part, dans une sorte de deuxième partie. Voilà. Voilà ma réaction vraiment très très à chaud, parce que là je viens juste de l'apprendre il y a 10 minutes et je viens juste de rentrer dans ma voiture et vous faire ce retour-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ne me faites pas dire que je n'aime pas le titre. J'ai juste pas mal de réflexions par rapport à ça. D'habitude, je suis toujours enjoué. Ah ouais, c'est trop cool. Là, bah voilà, ça m'a fait me poser quelques questions, donc je préfère vous le partager. Mais qu'on s'entende bien, hein, c'est juste une traduction française. D'ailleurs, si vous avez aussi les traductions dans les autres langues, je suis très intrigué de les savoir, de les connaître. Et voilà, mais ça n'en reste qu'une traduction. Mais voilà, ça nous fait poser pas mal de questions, et il n'y a que le film qui pourra répondre du coup à ces interrogations-là. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous
et que la force soit avec vous.